Jest jeden twórca dobry, który zła nie sprawia. Poseł go dopuszczał. Po to tylko, żeby większe dobro dzięki temu mogło się narodzić. Albo po to, żeby kontrasty pokazałyby sama obecność zła w świecie. Musi być dobra, skoro je Bóg wszechmocny dopuszcza. Jednak zło nie może być rodzajem bytu, gdyż być ma jedno tylko źródło. Zło jest więc czystym brakiem, nieobecnością tego, co być powinno, negacją, nicością, zepsuciem ładu. Nie jest złem natura, choćby zepsuta, złem zaradzona, nadal jest dobra. W ścisłym sensie zła poznać nie można, ponieważ nie można poznać nicości. Sama możliwość zła bierze się stąd, że wszystko poza Bogiem, a więc i człowiek, zostało stworzone z niczości. I z tej racji podlega miamo próbie czasu, a więc i przemijaniu.
5 604 004. Pięć milionów, sześćset cztery tysiące, cztery.
Une procession en passant temps. La performance Une procession en passant temps du théâtre de danse polonais True a été inspirée par l'œuvre de l'artiste conceptuel romain Opałka, le peintre et dessinateur qui a repris les thèmes de la vanité, est né en France en 1931. Il étudie puis crée en Pologne. En 1977, il revient en France où il connaît un grand succès, devenant sans doute l'un des artistes polonais les plus connus à l'étranger. Jerzy Norbert Grzegorek, sénatrice et metteur en scène du spectacle avec son ensemble unique de danseurs et en même temps de personnalités individuelles de la scène souffrant de divers handicaps, a tenté de poursuivre le concept de Romain Opałka de tableau canté, lié au temps et au passage, qui a duré toute sa vie. Grzegorek formule les éléments complémentaires visuels, peinture, portrait, photographique de l'artiste, et auditif, sa voix comptant les nombres consécutifs peints sur des toiles. Dans une performance par le biais d'un mouvement et d'un rythme particulier, de personnes et de machines coopérantes. Poursuivant l'idée d'impliquer directement le public dans son korowodi, le metteur en scène s'est une nouvelle fois trouvé confronté à un défi. Pour le relever, il a entamé une collaboration créative avec Krzysztof Majorek, artiste visuel et auteur de peintures tactiles pour aveugles, qui devient une sorte de créateur et de matériau dans la performance, le Time Over of Machines. Le blétram de la performance se déploie à partir d'un traité sur le temps selon Saint-Augustin, dans la narration de l'orateur puis des navigateurs qui guident les participants aux événements, le public, vers une meilleure compréhension de l'essence du temps. Les chiffres individuels sculptés dans la plaque du temps par le déménageur de la machine à voyager dans le temps sont lus par le conférencier, un danseur aveugle, puis annoncés aux vivants et aux morts par le conférencier, un danseur sourd et malvoyant. Le mouvement et le rythme des différentes machines sont perçus par les chronométreurs. Ils sont les seuls capables de donner aux participants, aux événements, le public, la responsabilité authentique de déclencher la machine, le verrou du flux du présent afin de guider l'avenir vers le passé. Le Mover of Silence, à son tour, est responsable de la mise en marche de la machine. Chamber of Time pour le flux du présent. Le spectacle est rythmé par la musique du compositeur français Jean-Michel Jarre, qui accompagne le réalisateur depuis son plus jeune âge. L'œuvre de cet artiste est assurément intemporelle, brisant les règles du passage et de l'écoulement du temps. Le titre Blabla Café de l'album Zulu devient le leitmotiv de cette extraordinaire procession. Fin avril 2011, lors de l'ouverture de l'exposition Octogone d'Opałka à Berlin, le nombre que l'artiste avait atteint dans ses toiles était de 5 590 000. Dans sa dernière interview, juste avant sa mort, il a déclaré qu'il peignait actuellement le nombre 5 604 000 et quelques. Son rêve était d'atteindre 7-7. Le réalisateur de A Procession in Transience Time a pris le nombre de 5 604 000 4 comme point de départ de la dissertation que le premier animateur du temps, Krzysztof Majorek, évoque dans la plaque du temps qui ouvre le spectacle. Pologne, l'interpénétration des idées d'Opałka et de Grzegorek se reflète dans la période de recherche de leur propre langue, de leur expérience et de leur expérimentation en Pologne. Il s'agit en même temps
d'une similitude dans la détermination idéologique à s'en tenir aux hypothèses sur la justesse de suivre sa propre voie artistique et la méthode choisie pour le travail de création et de recherche. Une telle attitude a suscité à la fois l'admiration et la négation dans le cas d'Opalka, comme ce fut le cas pour les tentatives de Grzegorek de façonner le concept d'idome, du mouvement et du rythme des danseurs souffrant de divers handicaps et de créer dans la pratique une idéo chorégraphie basée sur ces hypothèses.